Bonjour, moi c'est Florent Collet, aussi connu sous le nom de scène de Venom, et aujourd'hui je vais vous apprendre 3 coups très simples qui vont vous garantir de gagner vos paris contre vos amis. Ce premier coup est un coup classique d'arnaque. Pour ça, on va avoir besoin juste de 4 billes. La blanche, on va la mettre vers là-bas, au milieu, pas très important. Et ensuite, je vais prendre 2 pleines et une rayée. L'idée maintenant, c'est d'avoir la 1 et la 2 vers le milieu de la table, comme ça, et coller l'une à l'autre et coller à la bande. On va ensuite mettre la 9 au-dessus. L'idée maintenant, c'est le bet, le pari si vous voulez, c'est de toucher la 9 sans toucher la 1 et la 2. La plupart des gens vont essayer de faire un saut, ils vont essayer de faire quelque chose d'un peu fou. En un essai, ça marchera sans doute pas et vous allez gagner votre pari. L'idée ici, pour gagner le pari justement, c'est de tirer la blanche assez doucement vers le milieu. Et avant que la blanche arrive sur la 1 et la 2, on va taper sur la table, la 9 va tomber et la blanche va toucher la 9. On va montrer comme ça. Et voilà, pari gagné et tous vos amis impressionnés. Ce deuxième coup est ce qu'on appelle le coup du plus rapide que l'œil. Donc l'idée, c'est qu'on va commencer par le placement de la 9. On va mettre la 9 vers le milieu de la table, en face de la poche du milieu. Je vais ensuite prendre 3 billes. Ici, on va prendre 1, 12, 13. On va les mettre juste en ligne pour prendre l'espace entre la 9 et la blanche. Une fois qu'on a mis l'espace entre la 9 et la blanche, on va enlever les billes. Je vais mettre 12 et 13 de nouveau dans la table. Et la 1, on va la mettre un tout petit peu sur la gauche. C'est-à-dire qu'on va prendre le centre de la 9 et on va l'aligner avec le côté droit de la 1. Maintenant que ça c'est fait, on a notre placement. Le pari ici, c'est de mettre la 9 en un coup en la poche du milieu. Donc la plupart des gens vont essayer ce qu'on appelle un combo. Ce qui n'est pas évident parce qu'il faut toucher vraiment au bon endroit là. Dans tous les cas, ça devient un coup très très difficile. Celui qu'on va faire nous, il est plutôt simple. Donc l'idée, ça va juste être de tirer tout droit et mettre la 9 au milieu. Je vais vous montrer ensuite qu'est-ce qui se passe. Voilà. J'ai même mis la 1 en bonus ici. On va continuer et on va refaire ça. On va reprendre la 9 et je vais vous montrer au ralenti ce qui se passe. La blanche à peu près 3 billes d'écart et la 1 au même endroit. L'idée, c'est qu'on va toucher la blanche sur la 1. La 1 va aller à gauche. La blanche va déflecter sur la 1 à droite. Et on va continuer avec le procédé à avancer jusqu'avec le procédé pour toucher la 9 et ensuite pousser la 9 au milieu là-bas. Et l'idée, c'est vraiment de faire ça en un mouvement pour que vraiment personne ne puisse le voir. Et en général, si c'est bien fait, c'est un pari gagné. Ce troisième coup est sans doute le plus dur de la série. L'idée va être petit simple, on va juste mettre 3 billes, donc la blanche là, collée à la 1, et la 9, une bille à peu près d'écart du coin de la poche. L'idée, ça va être, la proposition si vous voulez pour le pari, ça va être de toucher la 1 avec la blanche, et de mettre la 9 au coin. La 1 n'a pas besoin de rentrer dans la poche, par contre la 9 doit rentrer dans cette poche. La plupart des gens vont essayer ce qu'on appelle amasser, c'est-à-dire qu'ils vont aller comme ça, faire en sorte de faire revenir la blanche. Mais pas évident forcément, la plupart vont rater, quelqu'un va essayer dans ce sens, essayer de couper la 9 là, vers l'avant, dans tous les cas ça devient un coup très très difficile. De ma façon, vous le raterez plus. L'idée ça va être de mettre en haut, à droite de l'effet, comme ça, et on va compresser la bande, et en force de compresser, on va éjecter la blanche du côté gauche. Je vais vous le montrer une fois. C'est un tout petit peu plus dur que ça paraît. Par contre, une fois que c'est maîtrisé, c'est garanti, vous allez gagner votre pari contre vos amis.